Lundi 27 août 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal là, sur Télévision Nationale d'Haïti. Main grand sitio pour Assoya. Cité Soleil, Pétionville, Machon-des-Salines, Aquin, Gros-Mon, c'est quatre communes qui recevoient camions compressifs. Président républicain Jovenel Moïse distribué yon lot matériel lundi 27 août là dans le Palais National. Gain plus passé 700 cadets. Travail caravane changement avancé dans plusieurs départements en pays, dans la Tibonite, gain diverses interventions qu'a fait sous route Terre-Neuve-Gonaïve, et puis dans Grand-Anse, diverses routes a fait dans Dichiti, Cafourbac, rue Eugène Magloire, avec Ruelle La Paix. Commission spéciale sénatoriale qui a analysé dossier Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan. Fait qu'on a d'ici mercredi, rapport commission apparaît d'après un membre commission, sénateur au nom de Dieu, Louis. Et puis processus validation, inscription pour concours admission dans l'université l'État après poursuivre dans toute entité UEHO. Deux mouns mouri, 11 lots blessés dimanche 26 août l'an dans une fusillade pendant un tournoi dans les États-Unis, dans Jacksonville, État Floride. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres à camper l'autre information qui a fait essentiel journal l'an pour Assoya. Et enfin, encore saluer et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal là, sur Télévision Nationale d'Haïti, Assoya, c'est Linela Sandra André qui ensemble avec nous. N'a démarré information yo comme d'habitude dans page météorologique là en nous Wilner Polidor qui pral poté pour nous toute information sous temps. Bonsoir Wilner. Bonsoir tout le monde, merci parce qu'on branche Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Là, nous sommes en début de semaine. Bonne semaine à chacun de vous et à voir comment condition est. Nous avons deux creux en altitude, nous trouvons au sud de Cuba, l'autre là à l'est de Porto Rico. Situation ça qui mélange avec un anthropical qui peut venir à l'est de Porto Rico à bail quelques humidités sous région Caraïbes, là, surtout Caraïbes centrales là. Donc Haïti, nous avons un temps qui plus ou moins humide sous le pays d'Haïti au cours de journée. Et région nord avec Artibonite, le centre à Pamba, humidité jusqu'à 20 degrés tête à première arrivée et la Grenance aussi département de l'Ouest. Cela veut dire que ce soir ou cette nuit, nous battons avec quelques bonnes averses là, avec quelques coups de l'orage sous plusieurs départements. Jean-Noël là, département région nord a concerné, surtout département Artibonite, le centre et département de l'Ouest. Jean-Noël la pluie à Pontigean augmenté sous zone Sayo avec département sud et à la rigueur la Grenance qui a supposé gagner quelques averses, mais c'est pas gros averses, c'est quelques averses qui a faible à modérer sous zone Sayo, mais sauf que n'a pas tant d'écoute l'orage parce que temps très instable sous zone nous cité là. Pour capitale là avec zone qui environne son capitale qui en bas aussi instabilité, même si pendant journée tu as vent avec soleil, mais faut que nous dit ça par rapport avec brise de mer qui a rentré sous pays et ensuite réchauffement pendant la journée. Hein. N'a pas tête nous aujourd'hui avec quelques averses là, puis en soirée sous capitale là, si tout zone qui au sud et au sud-ouest, cela veut dire zone Carrefour vers Gangoua, Fetigouave et Logan, t'as supposé gagner quelques bonnes activités la vie par rapport avec masse humidité qui trouvait dans la zone ça. Il faut que nous rappelions aussi par rapport avec zone qui gagne quelques saturations, il faut que nous prenions quelques précautions, ça a arrivé quelques zones qui y ont par rapport avec saturation de sol janvier sous quelques départements. Qui en bleu yo. Nous avons une température directement jusqu'à 36 degrés Celsius et fait de chaleur descend au cours de journée là, mais en soirée elle a descendu jusqu'à 24 degrés et n'a pas senti encore le fait de chaleur au cours de journée dans sous capitale là avec zone qui environne yo. Pour la mer elle est agitée sous non seulement côte nord pays d'Haïti parce que la montée jusqu'à 4 à 6 pieds, mais vers le sud c'est 6 à 8 pieds. Nous avons la mer qui est agitée près de côte mais la forte au large.
demander capitaine de précaution surtout la côte sud là par rapport avec activité rapide que nous devons capable réduire visibilité à et pour pas astronomique là sur la coucher très tôt aujourd'hui à c'est à 7h09 et la lever demain matin à 6h33. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne soirée à chacun de vous. Président République Lange, Jovenel Moïse, distribué un lot 13 camions compressifs par différents mairies en dans pays à journal lundi 27 août l'an dans Palais National. Camions compressifs ça y allé dans plusieurs communes, tant que Cité Soleil, Pétionville, Machon-des-Salines, Aquin à Gromone. Objectif là, c'est éliminer question fatra dans le pays et puis pour respecter promesse chef l'État t'es fait pour accompagner collectivité yo dans tout niveau spécialement dans programme assainissement. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay a dit nous plus dans reportage ça. Camions compressifs continuent à rentrer dans le pays pour faire service assainissement dans différentes communes sous territoire. Flotte ça gagne la donne environ 13 compressifs. Matériel ça yo vini environ 3 semaines après président Jovenel Moïse te distribué clé 37 camions ba yon premier groupe mairie dans pays a. Jodi a nou gen privilège et avec président Jovenel qui fait yon nécessaire et li wè priorité pour commune capable rete propre, pour pays a capable propre parce que les pays propre pour faire tout bagaille qui propre. Nous dit président Jovenel merci dans notre fédération magistrat, dans toute commune et dans nos communes qui peuvent bénéficier tout, dans toute commune qui bénéficient, nous dit président Jovenel merci, nous remercions en pile et collectivité à prendre note de ça. Camion ça a vini dans moment commune a fait opération propreté la rue dans occasion entre l'école là qui prévoit pour lundi 3 septembre qu'a vini là. Président République là Jovenel Moïse expliquait réalisation ça c'est respect promesse les faire collectivité yo et puis dans l'idée pour combattre fatra qui tourne adresse pour moun rete. Chef l'État cité en pile l'autre travail administration là a réalisé dans moment ça. Dans pile bagarre que nous dit et dans pile bagarre dans ça nous dit que n'a fait mais c'est pas demain matin c'est encore au magistrat qui dit c'est des projets structure même genre route carrefour Joffre pour aller en Safoule. Magistrat Roman Nakso Palé qui dit que le content dit ouais que dans bon la crêpe en pile travail drainage a fait travail a fait usine là qu'il là a travaillé pour d'ici peut-être un mois des asphalt qui commence à essayer fait dans usine ça veut dire nous a travail pour nous respecter nos promesses nous barrage irrigation qu'a fait dans pays là étude sous pleine bacon nous on connaît pas déjà. Nous songeons de parler de l'irrigation pleine ça, étude qu'a fait sous Grande Rivière du Nord, qui pour aller user, on partit dans pleine nord-est, pleine du nord. Mais, travail à fait, c'est pas demain matin, nous allons lever pour nous être toutes. Mais ça m'a nous. M'a demandé nous, patience nous premièrement. Mais deuxièmement, accompagnement nous, compréhension nous pour nous connaître des travail qu'a fait dans le pays. C'est peut-être, c'est pas même dans le mandat, pas non. Moi, pour aller ouais bénéficier. Seigneur doit se mandat président à venir. Seigneur doit se mandat président après à tout pour aller bénéficier. Parce que grand travaux des fois structurés, ce n'est pas des travaux faciles. Ce n'est pas des travaux qu'on a campé un jour ou dit ou fait demain matin pour well. C'est des travaux durables. C'est des travaux qui sont bons pays. Et décentralisation en tout, pour nous clair, j'en ai toujours dit, là, il y a pile commune n'importe où, par exemple Pétionville, Cité Soleil qui vient compressif là, mais ce n'est pas seule commune pour Port-au-Prince qui vient pas là. Série distribution compressif ça a rentré dans le cadre stratégique caravane changement qui visait un ensemble de projets de développement en Haïti à différents niveaux. Nous allons parler dans le département Latibonite ensemble avec Caravane Changement pour nous faire connaître pour Kounia sur route Terre-Neuve-Gonaïve. Il y a un travail élargissement à terrassement qu'a réalisé. Plusieurs techniciens, ministère des Travaux publics, Transport et Communication mobilisés sur tout territoire dans le cadre de travail. Sayo. Reportage Richard Sonjourdan à Pams Jean-Baptiste. 23 km, c'est sous longueur ça,
Plusieurs techniciens, travaux publics, transport, communication, à travail sur Ténèbres, Gonaïve, pour courir, c'est terrassement et élargissement qui continue à faire une façon pour permettre piétons à monde qui sous moto ou soit machine, si qu'il est, sans qu'elle saute. 23 km plus près de la ville, on a dit Gonaïve, par rapport avec l'autre commune, mais cependant, il était plus loin passer toute et bien commune qui est dans la ville de Gonaïve. Pendant que dans ces 100 km là, il est plus près. Et puis, après, les bouvines là, on prend 3, 4, 5 temps pour arriver sur motocyclette, pour arriver sur machine. Mais grâce avec eh bien, travail qu'a fait sur la Gonaïve, eh bien, dans 30 minutes, motocyclette déjà mené Mounio dans la ville là. Population, ça, le travail qu'a réalisé sur Ténèbres Gonaïve là. Et puis, profiter et remercier le président de la République là, Jovenel Moïse, pour l'initiative ça, qui visait retirer ici là, yo. Cap fréquenté ou Ténèbres Gonaïve là, dans tête chargée. Pour d'ailleurs, on n'a pas bon même, lors de la pluie tombée, nous pas qu'à traverser, nous pas qu'à voyager même. Pour là, c'est celle-là, on n'a pas de problème. Et bien content, en tout cas, la tapette là. Longtemps, pas de bon même, que qu'on y a commencé au mieux, et puis commencé à s'abasser, j'en ai dit longtemps. Ah, tout à la bon pile. Parce que depuis que nous savons là, pour vous en bas, là, il y a bon pile. C'est quoi être bon, nos problèmes dans la moutée là? La pitoyer, la pitoyer d'Aran, nous avons des problèmes. Avec deux autres bons problèmes là, parce que ça, vous s'emballez, la moutée là, nous moutez bien, nous avons des problèmes. Travail qu'a réalisé sous Ténèbres Gonaïve là, inscrit dans le cadre de caravane de changement, qui c'est une stratégie qui vise à faire pays à plein rail développement. Merci Richardson ak Pems. On a toujours été avec Caravanan qu'on y a nous parlé dans le département Grand Danse pour nous dire actuellement gain divers travail infrastructure routière qu'a fait dans Dichiti, Carrefour Bac, rue Eugène Magloire à Cruelle la Paix pour améliorer conditions déplacement population dans zone nous sommes cités. Falant de Delphin ak Michel Joseph à Banou un reportage. Construction caniveau yon nan ville Jérémy, asphaltage route du Chiti à Kafoubak, reprofilage route Eugène Morgon à construction totale Ruelle La Paix, c'est quelqu'un travail qu'a fait dans le département. Problème poussière, les gains soleil, à Klabou, les gains la pluie après le résoudre pour moun qui a fréquenté zone sa yo. Plusieurs moun nan population en félicité travail sa yo qui pral améliorer condition vie yo. M'a dit un gros coup de merci parce que avec moun et qui mettait ensemble qui capable pour nous retirer nous côté nous là et m'a dit président un gros coup de chapeau parce que un gros travail il était qu'a fait pour nous parce que vous t'en crasé depuis à peine 2 ans comme ça vous t'en crasé n'a prend poussière n'a fait toute bagaille so, c'est un plaisir pour moi. Pour moi, vous de la caille, même cap, on l'autre modèle. Nous pas de gain, vous mangez depuis gain, vous avez la vie. Parce que la gagne, il va falloir l'aile, il fait une soleil la poussière, envahir mes yeux, mon cher. Oh, ça, c'est un bel plaisir, mon cher. Depuis me fait jusqu'à ce que moi vienne dans l'aïsa, c'est premier président qui a marqué s'il t'a bon route ça sorti Jérémy là arrivé jusqu'à Kakas dernier point département Grand Danse. Quitter pays à 4000 km route, c'est un objectif administration président Jovenel Moïse là. Rassemblement pour développement et formation sociale. Notre tête collée à conseil administration première section communale Saint-Martin. L'ouvrit lundi 27 août l'an, il y a un restaurant communautaire dans la localité Siloé. Louinel Jean-Louis et Michel Joseph t'ont fait déplacement. Y a dit nous plus dans un reportage. Restaurant communautaire ça, c'est une initiative citoyenne qui a pour objectif porter un apaisement social pour habitants qui vivent dans la première section Saint-Martin, d'après le président du conseil d'administration communale là, Orsay Bajou, qui sollicitait aide d'autorité concernée pour permettre restaurant puis bien fonctionner. Avec faible moyen par nous, du fait que nous te dit aujourd'hui, son grande première pour lier, faut que nous ouvrions restaurant ça avec du faible moyen par nous, nous-mêmes organisation Radforce et Kazekyo, nous coulons mais et nous ouvrir restaurant ça même que son grande première et objectif nous restaurant ça a lui de rester permanent pour tout petit monde dans zone nous qu'on a gardé en pile petit monde et avec en pile chaleur côté que vous venez là vous venez manger un plat chaud donc nous que l'état haïtien il a gardé nous journée aujourd'hui pour prendre
ça en considération pour aider nous pour restaurant communauté ça a grandi la première section Saint-Martin et actuellement Playo nous réclame 25 gouttes l'an meti moun yo mais aussitôt que nous gain aide l'état n'a descend ni à 10 gouttes. Jean-Baptiste Maxime, yon responsable Red Force là, expliquer restaurant communauté ça pour permettre famille qui dans situation difficile joignon plat chaud chaque jour avec 25 gouttes seulement pendant l'inviter citoyens yo contribuer à l'initiative ça qui pas doit rester dans route. C'est appui Kazek avec appui quelques citoyens dans zone là. Et quelques citoyens dans zone nous voyons l'aide pour yo qui ça fait yo ban nous des trois sacs jiri et avec moyen par nous en tant que organisation parce que organisation des bois pour nous voulons faire social pas oublier c'est propre moyen pour aider moun qui pas capable. Bien c'est comme ça nous collecter et ça fait que nous faisons 25 gouttes. 25 gouttes nous faisons là. Attends ça que l'état a dit après répondre nous avec moi dit à 90% ou 70% c'est sûr que la ma plat a 10 gouttes. Bon côté parle deuxième match. Gros bagage qui fait même espérer que lancement ça Jean Noël là la vienne plus grand. Nous a dit qu'a servi 80 100 monde. Nous espérons jusqu'à venir et bien et 500 1000 monde tout pas qu'a servi et non seulement gain monde pas gain 25 gouttes là aujourd'hui. Je pense que je vais venir et je vais manger gratis parce que nous-mêmes dans le mairie d'Elma, nous pensons et pour nous faire ça qui est nécessaire, ça qui est bon, pour nous capables d'aider les gens dans la section communale et de joindre une satisfaction. L'autre point n'a pas abordé dans le journal sans amis téléspectateurs, et bien c'est pour nous faire connaître une commission spéciale qui a analysé le dossier premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Ici mercredi, rapport commission apparaît. Président commission, au nom de lui, dit qu'il peut recevoir pièce membre cabinet ministériel là, dans le cadre d'analyse si là. Sénateur Nord-Ouest l'a encouragé exécutif là pour déposer dossier membre cabinet ministériel là pour énoncer déclaration politique générale premier ministre nommé capable faite sans perdre du temps. On suit. Mercredi au plus tard, NAPCA soumet un rapport by bureau Sénat pour le premier ministre nommé seulement, pas pour les ministres. Nous pouvons gagner aucun nom, nous pouvons gagner aucun liste, nous pouvons gagner aucun dossier. Pour les ministres qui peuvent faire partie du gouvernement et pour les secrétaires d'État qui peuvent faire partie également du gouvernement. Non. Jusqu'à maintenant là, nous avons dit toute bagaille, ok. Toujours dans le cadre de dossier ça, un député circonscription Carrefour-Lan, Jacques Beauville, qui expliquait premier ministre nommé en maître Jean-Henri Seyan, a environ 70% chance pour le passer dans la chambre députée. D'après parlementaire, bureau a déjà metté une commission campée pour analyser pièce premier ministre nommé. Député Beauville ajoutait, bloc majoritaire met tête li ensemble avec l'autre bloc allié pour bail mettre Jean-Henri Seyan un vote favorable si toutefois politique générale lien ta répondre à qu'attente population en suivre. Ça va prendre du temps parce que nous avons monté en commission qui pour travail malgré c'est avec des copies pour n'attendre original pour nous comparer qui pour travail simplement c'est bien et par rapport au problème pays nous besoin gouvernement. Qui chasse et médecin gagne pour le passer dans la chambre de député? Médecin gagne pour le remplir conditions, ça veut dire phase technique, yo, les pièces, qui dit suivant les principes constitutionnels, qui dit mais 1, 2, 3, 4 pour être premier ministre, les pièces de bon. Étape ça, nous d'accord, nous avons voté. Deuxième étape, nous allons regarder qui ça, médecin gagne à partir des politiques générales pour le pays et pour. Circonscription de chaque collègue parlementaire. Bon, c'est ça le cas, oui, mais généralement, vote la fonction, vote que député qui était connu, ça lié déjà. Bien avant 26 avril, il fait déclaration, il a connu est-ce que il a besoin de laisser passer chambre de député ou pas. Alors, généralement, document politique général, là, pas suffit pour que le député vote vraiment. Ça, c'est une réalité à député Bouffier. Je veux dire, alors, il y a des configurations en bas. Est-ce que il est facile pour que le médecin ait une majorité que le besoin pour que le passé et à diriger le gouvernement? Je pense que jusqu'à maintenant, momentum, il joue en faveur du médecin. Le médecin, on dit bien, ce n'est pas un personnage qui a un problème de pièce. Parce que c'est ex-candidat à la présidence, un personnage public, notaire public, donc un rassembleur.
Je pense que mettre ça en toute chance de à 70 à 75% pour l'arriver passer à la Chambre des députés. Quid de APH, parce que c'était bloc majoritaire. Alors, APH avant, ça l'avait tout laissé passer. Hein. Mais je dis à Guillaume Solépé après démission pour le ministre Lafontaine, il y a un petit problème au niveau bloc là. Est-ce que bloc là toujours existe? Toujours un petit discordant, toujours un discord dans toute famille qu'on a un problème. Mais pour ces capacités de gagner pour nous être ensemble pour nous résoudre le problème. Et me profiter de saluer le président du bloc majoritaire, l'honorable député Jean-Wilson Hippolyte, mon président. Et nous pensons bien. Et nous avons de bonnes relations, bloc là, même lorsque tu as des petits problèmes. Quand tu as un bloc là, fait des sorties là, qui t'a fait comprendre que là, va marcher bien, non? Attendez, mon frère. Le député Port-de-Père, par exemple. Président? Le député Port-de-Père, par exemple. Le député Port-de-Père, le député Florestal, bien sûr, mon collègue, Zamir, qui nous a pris l'estime pour lui, jusqu'à maintenant, pas jamais dit qu'il était bloc là. Il y a des petits problèmes, qui coûtent pas contre des problèmes. Mais nous ne pouvons pas le goûter à problème. Parce que les problèmes ne font pas pour combattre, mais pour s'abattre. Kounia a fait connaître occasion 54e conférence lundi de la presse, ministère de communication recevoir lundi 27 août l'an, ministre éducation nationale et professionnelle l'an, Pierre Josué Agenor Cadet. Ministre éducation nationale l'an parlé sous yon ensemble mezi ministère en prend dans occasion rentrer l'école là qui fixé pour 3 septembre cap vini là. Ministre Pierre Josué Agenor Cadet expliqué gain plus passé 5000 enseignants qui déjà joine lettre nomination yo. En pilote qui te gain lettre qui pot ko touché déjà commencé touché. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Lower Darly Jean-Jacques. En termes de gouvernance, pour aller ça avec entre l'école là, Jean Connel, nous avons hérité de un lourd fardeau dans la question professeur d'école, enseignant qui était trouvé en situation irrégulière dans le système là, les noms montés. L'aime faire compter sous, l'aime faire compter ministère, l'être enseignant qui fait nommer et dans pile là qui commençait à recevoir salaire yo. Même si nous te dit que 2700 qui te gen lettre depuis 10 ans qui n'ont pas jamais touché, eh bien là nous venons faire gros calcul, nous venons plus que 3000 et aujourd'hui il y a plus de 95% d'avoir déjà touché et tout reste pour toucher, c'est ça nous pas jouer une lettre pour te faire avis financier et dans pile qui déjà en traitement ou en finalisation dans le ministère des Finances. Non seulement on a parlé de enseignants qui étaient en situation irrégulière en éducation, mais gagnent tout en pile contractuel qui était gagné dans l'État. Et depuis 4 mois là, c'est ça n'a fait côté n'a nommé en pile monde qui était contrat dans mayo pour qu'avienne bénéficier de tout avantage l'État capable bayo. Et jodi a n'a continué avec traitement ça, tout ça qui gagne bon gens qualification pour capable nommer yo. Toujours en termes de gouvernance du système, nous prenons des mesures pour entrer à l'école l'année ça, tant qu'on souffre scolaire, côté nous demander tout directeur lycée sous peine de sanctions extrêmement graves, pour ne pas prendre plus passer 1000 gouttes dans le métier pour toute année. Et dans 1000 gouttes, ça, tout le bagage la donne. 1000 gouttes de la donne, ça connaît les dépliants, ça connaît les cadres d'étudiants, etc. Et il y a pour être capable de faire nettoyage en dans le lycée dans l'agence. Nous prenons l'autre décision toujours pour nous dire nous pas d'accord avec la question qui est sous-traitance. Parce que je dis à tout, pendant que nous avons traité le cas, nous avons pile cas enseignants qui sont dans la salle de classe en situation régulière. Et pourtant, c'est enseignants qui sont pour l'autre maître qui n'est pas là, qui a un chèque qui a sauté. Donc c'est ça que je dis à là, nous mettons fin à la situation ça, qui c'est question sous-traitance. Donc question tout qui mettait nous dans ça, nous y est là, c'est question côté autorité qui est dans l'État, autorité politique, inspecteur, directeur de la comptable, directeur de l'école, qu'on prend plaisir, non mais mon. Je dis à nous voyons en gros. Et Pingabayo nous dit seul l'État qui est autorité nominative. Et c'est seul le Premier ministre qui est capable de nommer, ou bien ministre de l'Éducation lui-même, s'il y a une délégation Premier ministre, ou bien capable de nommer avec approbation Premier ministre. Donc, tout
décision ont autorité qui capable prendre qui par autorité nominative les nuls et non avenus. Et dans la semaine ça même nous gagnons un gros lettre de blâme, nous dévoyons un directeur départemental qui lui-même peut al oser nommer un directeur de l'école dans troisième cycle qui va même exister encore qu'on a c'est l'école fondamentale complète avec lycée. Nous prenons l'autre mesure toujours et concernant les questions de la gouvernance, et bien côté nous demander et nous pendant la combat de corruption avec l'agent particulier sans pas de monde qui a travaillé pour eux, nous mettez tout campé dans le ministère, plusieurs équipes supervision, l'aide école ouverte là qui peut aller marcher dans tout lycée, dans toute école fondamentale, l'école d'État, pour aller contrôler la présence professeur. On a toujours été ensemble avec le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre Josué, ingénieur cadet, qui a annoncé diverses mesures qui prend pour faciliter les élèves à rentrer à l'école. Dans ce sens, le ministre l'enfer qu'on a, vient plaisir à l'école qui a construit, reconstruit et programme toute l'école. On suit. Il y a environ 11 centaines de chantiers eh bien, pour reconstruire l'école. Et il y a 30 nouvelles écoles fondamentales. Eh bien, il va lancer marché pour eux. Pendant ce temps, en pile lycée, en pile école nationale, marché déjà lancé pour eux. Et comme nous dans l'Ouest, par exemple dans l'Ouest, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons le lycée des jeunes filles, nous avons le lycée Daniel Fignolet, nous avons le lycée Antoine Lisery. Eh bien, et tout marché sont déjà lancé. Faculté sciences humaines, tout. Et nous avons le jour de la Lyon-Vélis, côté où lancer marché. Pour reconstruire le lycée, ça. Bon, lycée qui, bon, nous avons pile problème dans l'État, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous dit, on lycée que le Jean-Jacques Dessalines, depuis 12 janvier, eh bien, tremblement de terre à côté de l'allée, Timon nous a vivre à toute position dans mauvaise condition. Eh bien, aujourd'hui, dans le budget, nous mettons pour reconstruire. Cependant, nous avons rencontré avec gros autorités dans l'État pour nous chercher un bel espace pour nous capables de construire le lycée. Parce que côté lycée Jean-Jacques Dessalines, il a fait tout bagaille moins au lycée. Parce que il n'y a pas d'espace même pour faire une bonne école nationale selon la nouvelle norme que nous établissons dans le ministère de l'Éducation nationale par le truchement de direction génie scolaire. Non seulement ça, gagner près de 500 écoles que nous devons réhabiliter. Nous pouvons comprendre très souvent nous ça dans les réseaux sociaux. Les Alflin et nous, tout. Nous avons pile l'école dans le pays qui a évolué dans de très mauvaises conditions. Espaces pas bon, localio pas bon. Et il faut que nous disions, si dans tout le pays d'Haïti, il y a plus passé 20 000 écoles, et 20 000 écoles là, et bien l'État a plus passé 3 000 ans, et bien là nous arrivons dans le ministère, il y a au moins 2 000 ans qui étaient en mauvais état. Toujours dans la 54e conférence lundi de la presse, ministre Pierre Josué Agénor Cadet fait qu'on a bien plus passé 780 millions de gouttes qui déjà dépensés pour subvention à manuel scolaire. Ministre l'a précisé, bien plusieurs autres maisons édition qui entrait à Nessa dans le programme subvention pendant l'expliquer tout manuel yo a disponible en vent rentrer l'école là. Précision. Nous avons lancé bien bonheur marché pour subvention manuelle scolaire avec dotation. À ça, eh bien, tout le monde est obligé de marcher au pas. Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti, l'État investit autant d'argent pour question subvention avec dotation. Donc, contrairement à ça, nous avons dit que l'État a dépensé plus de 780 millions de goudes pour subvention avec dotation. Dans toute année passée, eh bien, le plafond n'a jamais dépassé 600 millions. Mais l'année ça, nous dépassé 780 millions pour subvention manuelle scolaire avec dotation. Cependant, il y a un pile imprimerie éditeur qui rentrait dans le bagage. Et mon yon dans la société à compte son seul. Mais il y a plusieurs. Tant qu'il y a pédagogie nouvelle, il y a édition Western Manuel, il y a copie vite, l'action sociale, il y a C3 groupe SA. Donc, il y a pile d'autres éditeurs encore qui rentrent dans le domaine de l'ESA.
été fait selon les normes, selon la loi, côté ces marchés qui étaient lancés. Mais Anessa va la distribuer, côté tout éditeur, joue une portion par nous. Et je dis à là, nous avons une grosse politique pour nous être comment nous capables de résoudre le problème ça, qui tourne un gros zo dans gorge l'État, pays d'Haïti. Et nous avons regardé comment nous capables d'améliorer. Et depuis l'année passée, nous commençons à porter une grosse amélioration dans la situation dotation et subvention. Et si Anessa a tout, nous avons plus et manuel en dotation et en subvention. Plus de 1 million de chaque côté. Et puis, nous avons tout profité fait qu'on a un ministère éducation nationale en formation professionnelle publié résultat examen baccalauréat pour session extraordinaire année académique 2017-2018. Département Grand Anse vini en premier avec 77%. Ensuite, c'est département NIP qui a enregistré 67%. Directeur bureau national examen l'Etayo, Renan Michel, fait qu'on a taux réussite pour session extraordinaire là, c'est 38,20%. Pendant l'invité, directeur l'école yo pour yo passer retirer résultat yo dans direction départementale yo. Directeur Bunex là, Renan Michel, a nous plus de détails dans micro Midrey Milias et Moïse Wilbridge. Nous avons pris des mesures pour que avant la rentrée des classes, bien nous avons arrivé à publier les résultats. Et ainsi que pour la grandeur qui a un taux de réussite dans la session extraordinaire de 77%. Nous avons le Nîmes qui a un taux de 67%. Nous avons le Nord qui a un taux de 53%. Sud-Est a un taux de 42%. Le Sud 42-35, l'Ouest bon taux de 34-84, la Tibonite bon taux de 26,36%, Nord-Est bon taux de 18,38%, le Nord-Ouest bon taux de 17,58%. Donc au total, le bon taux de 38,20% de réussite dans la session extraordinaire. Tout département est déjà là, mais et que le directeur d'école est capable de passer dans la direction départementale pour capable de tirer les résultats. Et nous avons ajouté tout que, étant donné que date pour toute l'école déposer liste de son fin d'année, et que nous avons demandé à la direction départementale pour appliquer le principe donnant-donnant. Dans l'école, pour un bon résultat, il faut quand même mettre liste de décision de fin d'année, que date là, 17 août déjà, dépassé déjà. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça. N'a pas invité nous rester branchés. N'a pas tourné tout de suite. Merci parce que nous toujours été branchés téléjournal Lens ou télévision nationale d'Haïti. Information yo à bras poursuivre pour nous faire connaître. Commission éthique et anticorruption Sénat République Lens rencontré lundi 27 août Lens. Directeur général, Société Générale Énergie d'Haïti, Sogener, Dimitri Vorbe. Débat au Téchita sous échange DG Sogener avec ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte sur réseau social qui était un rapport à contrat Sogener avec l'État haïtien. Président commission, sénateur Yuri Latortue, annoncé Yap Gayen pour tendre ancien Premier ministre Laurent Lamotte en 20 longtemps sous dossier SILA. L'abdinou plus, nos micros, confident Fedner, avec Moïse Wilbridge. Dans le cadre de la rencontre, il y a un point extrêmement important que, qui était important pour nous, que nous avons justement mis dans la convocation. C'était la question des déclarations qui étaient faites par rapport à entre Sogener et M. Lamotte, soit par les réseaux sociaux ou le fait que nous devons recevoir l'information. Eh bien, il était clair, pour aller au premier point, que je dis à responsable compagnie Sogener, a confirmé que, eh bien, Gayen, M. Devarenne, j'ai oublié de dire là, qui était venu demander au COP, en partie, en cash, et en l'autre partie, qui a quitté le contrat avancé. C'est-à-dire, ceci n'est plus au niveau des réseaux ou bien de parole en prise, ceci est confirmé devant la commission. Nous confirmons tout que compagnie Sogener ne va pas recevoir 12 millions, il
li recevoir entre 3 et 5 millions dépendant de production que le bail pour moi. Deux points ça yo extrêmement important parce que c'est à partir de deux points ça yo que nous allons faire d'autres rencontres, particulièrement avec M. Devarenne et avec M. Lamotte que nous allons rencontrer. Toujours dans le dossier ça, directeur général Société Générale Énergie d'Haïti, Sogenerlan, Dimitri Vorbe, confirmé, confident pardon, avec Moïse Wilpich. C'est le Sénat de la République qui t'invite et moi présente et moi dit tout ça me dit. Je profite de parler de Sogener et de certains bagages qui t'a parlé, mais c'est éclair aussi tout ça me capable pour sénateur. Donc moi remercie pour l'invitation ça, pour faire devoir comme citoyen. Et comme je travaille à l'État, je toujours parlé pour me venir devant l'État, pour me dire tout ça qui est correct, tout ça qui est vrai, je gagne pour me cacher. Donc nous faisons ça pour me faire. Problème qui est gagné, tu as un tweet qui est gagné, tu as un échange qui est fait avec moi-même avec le Premier ministre Lamotte, il devait connaître qui vérité que tu as gagné. L'autre information n'a pas été pour nous. Jude Lalanne, Ralph Le Fruit, avec Wendell Aimable, c'est nos trois jeunes garçons qui font partie groupe qui remporté troisième édition concours Jeunes Citoyens J'éclairés pour Anessa. C'est groupe Croissance qui réalisait concours ça avec support Agence États-Unis pour Développement USAID. John Herbie Casséus avec Henri Robert Chéry était présent non finalement. Il y a dit non plus dans un reportage. C'est au total 6 groupes qui ont participé dans le concours Jeunes Citoyens J'éclairé Anessa. J'ai en principe concours à mandé ça. Chaque groupe présentait rapport étude et enquête qui a été menée sur un projet d'investissement public. Après présentation, yo, c'est groupe qui te gagne la donne. Jude Lalanne, Ralph Le Fruit, Wendell Aimable qui gagne concours. Selon Wendell Aimable, l'équipe a été réalisée enquête bien sous travail reconstruction, concours d'émission à Pont 9 là. Concours Jeunes Citoyens J'éclairé, rentré dans 4 projets renforcement transparence pour ces 6 budgétaires haïtiens. Un projet groupe croissance a exécuté grâce à bois de l'agent USAID, selon Melinda Jean-Baptiste, yon un responsable groupe croissance. À partir de ce qu'on fait là, nous allons capitaliser sur les outils, mais qui s'en est rencontré comme obstacle, mais qui s'en doit faire à grande échelle pour encourager que ça fait plus souvent et en plus en masse et bail des pistes sous base d'expérience nous on dit mais comment ça t'a fait mais à long terme à très long terme j'en dis déjà c'est permettre que j'en dépense que l'état fait le pays ça les fait plus bien plus efficace et bien les meilleurs résultats. D'après Melinda Jean-Baptiste, activité ça rentre dans le cadre des marchés menés pour porter contribution par eux dans le travail de l'État haïtien a fait pour permettre plus de transparence dans les dépenses publiques. Merci John Herbie et Henri Robert. Qu'on y en a fait qu'on a Jérémy, qui s'est chef lieu département Grand Anse, célébré samedi 25 août l'an, fête Saint-Louis, qui s'est fête patronale paroisse l'an. Cérémonie en déroulée en présence plusieurs autorités politiques, policières et judiciaires dans le département, sans compter divers pèlerins qui sortent dans différentes régions dans le pays pour participer dans la célébration eucharistique. Fallon de Delphin avec Michaud Joseph qui est sous place et un reportage. Anessa fait paroisse Saint-Louis dans la commune Jérémy, 262 l'année depuis l'existé. Sénateur, député, magistrat, délégué, Azek et Kazek département, participent dans la célébration eucharistique là. Dans l'homélie Constance, célébrant principal, mais cela, Monseigneur Gontran de Coste, mettait accent sur qu'il si l'esprit est ensemble pour avancer la société. Le grand chita, côté ville là, diocèse là, côté ses patrons, tout puissant côté peuple, c'est lui. Vous pouvez vider la grâce sur chaque qui là, pour tout le monde qui est la caille. Tout le monde qui est venu, qui est là, qui prend le presse, qui est venu de tous côtés, tout le monde qui est en communion avec nous dans le moment ça, pour la grâce de Dieu, pour bénédiction de Dieu,
pour l'espérance des salles, pour la vie des salles, pour tout petit point de vue, la vie de Jérémy, la vie de Jérémy. Pour l'autorité dans le département, Fête Saint-Louis dans Jérémy, Anessa a un autre visage, puisque caravane changement déjà opéré dans le département. Yo renouvelé engagement yo pour continuer travail avec l'État central pour action gouvernementale yo atterri dans le département. Fait l'année ça c'est bien, ça a pas plus mal le niveau communal parce qu'on est fête patronale et Jérémy. Donc surtout qu'on est avec caravane changement qui a un gros coup de main dans embelli ville là. Ouais, si on est capable de finaliser près de 32 tronçons routes qui étaient déjà commencés. La symbiose qui a gagné ensemble avec l'exécutif, avec le parlement et même mairie, pour nous capables d'identifier axes et qui prioritaires, que ce soit l'Anville Jérémy et l'autre commune qui est constituée et département, pour nous capables de permettre que l'action gouvernementale atterri et que chaque année fête la ville plus belle. Bon élan qui commence par le développement de l'instant, donc on a continué. N'a pas continué normalement, n'a pas continué travail, n'a pas continué par le gouvernement pour nous voir si le développement Grand Anse capable de faire. Le département Grand Anse qui était un département qui était touché dans le passage ouragan Mathieu, il y a plusieurs travaux qui ont fait dans différentes zones, parmi eux, construction environ 23 rues dans la ville Jérémy. N'a prêté sous même lancer ça pour nous faire connaître citoyens en commune quartier Morin fêté Saint Patron yo qui c'est Saint Louis samedi 25 août là dans occasion autorité yo fait chanter yon messe action de grâce dans paroisse là en présence fidèles catholiques avec diverses personnalités dans commune là. Reportage Richardson Jourdan avec Pams Jean-Baptiste. C'est Monseigneur Obiya Zéphirin qui a célébré mes actions grâce à ça, qui a réuni plusieurs fidèles catholiques, Père Lérin, autorité de la police, judiciaire, accueil local, dans la paroisse Saint-Louis, commune quartier Morin, dans l'obélie circonstance-là, célébrant principal-là, prêcher l'unité, pendant l'invité au sub-trace Saint-Louis. Saint-Louis même, son héritage, c'est pas la vie de la ville, c'est pas l'élection de Bédel, son héritage. Bien malgré ça, ils sont les peuples. Ils sont les dans la situation difficile. Les pauvres qui ont voté le sentir bien. Dans même tout, c'est pour vous qui comprenez le sentir bien. Député Cathy Morin, Esaïe Prophète, et magistrat commune Jean-Éric Billard, salient façon Fête Saint-Louis réalisée à Nessa dans Cathy Morin. Fête Cathy Morin, Fête Saint-Louis, roi de France, son belle célébration. À Nessa a combattu activement l'année dernière avec plus de monde. Et ville, il est propre, il est décoré. Pour grand pile de choses qui sont nouveaux dans la commune, à Nessa a nous plus de plus éclairage que les DH qui permettent que Villa ait plus de travaux d'assainissement qui fait la donne. Nous vraiment sentis nous réjouir pour fête patronale Saint-Louis quartier Morin. Nous travaillons pour que chaque année fête là est capable grandiose. Nous avons plus de monde qui vient dans fête là et collaboration moi-même avec les députés permettent que ça soit fait fête là arrive à fête. Donc pour nous-mêmes, c'est un contentement énorme. Il y a une grande différence entre l'année passée et l'année ça. L'année passée, pas de toute quantité de monde. Et c'est pour la première fois que depuis le 14 août, nous avons des pèlerins que nous avons reçu. Ce n'est pas habitude, nous ne pouvons pas faire comme ça. Paroisse Saint-Louis dans Catimore est fondée en 1790. Année 2018, là, fait 220 toute l'année depuis l'existence. L'autre information, la Kainou, l'autrie l'État haïtien, en tête collée avec la police nationale d'Haïti, saisie jeudi 23 août, là, yon ensemble matériel, yon groupe citoyen haïtien et dominicain tape utilisé pour faire jouer hasard illégal. Opération ça réalisée dans le local Sojaka qui trouvait le nom Delma 65. Directeur commercial loterie l'État haïtien, Gassner Le Germe, a bail plus explications sur ça, nos micros Midra Emilias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Jeudi 23 août 2018, loterie d'État haïtien était saisi dans Delma 65. Nous saisi dans le local, c'est Sojaka, c'est un business dominicain qui vient haïtien là-dedans naturellement. Côté des dominicains et des haïtiens mettent ensemble
qui a fait jouer un hasard illégal dans le pays. Nous saisissons 171 caisses et 56 rouleaux de papier, 45 machines neuves, machines jouer de loterie, 20 machines usagées, 4 chargeurs et un laptop. Quand on a fait tout public, là qu'on aime, processus validation, inscription pour concours admission dans université l'État, après poursuivre dans toute entité UEHO. Lundi 27 août, là, yon équipe télévision nationale d'Haïti t'est visité Institut national administration gestion à hautes études internationales INAGE pour voir comment prolongation inscription yo a pas déroulé. Artelou Marie Dieudonne avec l'aurore d'Arlie Jean-Jacques a présenté nous et un reportage. Quelques jours après décision rectorat Université l'État prend pour prolonger processus validation pour concours admission UH là, plusieurs entités ouvert portio pour accueillir postulants qui viennent déposer et puis valider pièces yo. Achille Robinson, responsable informatique en Inagé, fait qu'on est, il a fait tout moyen possible pour inscription tout postulant qui choisit entité OA validé dans temps prolongation. Oui, ne te pas une prolongation, ça c'est pas un ça c'est pas nous-mêmes qui responsable de ça, c'est à cause de un programme, tu gagne un système, tu gagne un à partir de ça. Rectorat te voye di nou, te gon diske di ki crash ki fait que ti moun yo postulé ou pas capable inscrit en ligne, qui fait que à cause de 2-3 jours ou pas capable inscrit en ligne, on y a eu une prolongation jusqu'au 31. Postulé ou bon côté pa yo expliquer yo valider inscription yo sans difficulté. Puis loin yo fait qu'on est déjà prêt pour affronter concours admission. Ça même parce qu'on fait le maximum d'efforts pour m'être comme si plus zap. Et puis le concours arrive parce que m'a assuré. Bon, à tête moi c'est que me pense m'a réussi, ça c'est sûr, m'a fait l'effort pour ça et m'a pas inagé. Non, en fait, me déposer pièce jeudi a, m'a retourner demain si tu veux pour me chercher fiche. Et moi attend concours. Moi ça c'est prêt. Donc moi juste attend que dimanche arrivé pour me capable participer. De septembre cap venir là, c'est date qui fixée pour concours admission inagé. Postulant qui fait choix entité ça en bien pour passer dans le local là 1er septembre 2018 là pour vérifier dans qui sont il a bien pour composer. Merci Ortelou avec l'aurore. Pour m'en arriver pour une journée d'actualité à l'autre bord de l'eau, mais n'après un bout en vent n'a tourner. Dernier tranche journal ça n'a pas mêlé l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître deux moun mouri, 11 lots blessés dimanche 26 août là pendant un tournoi dans Jacksonville dans pays États-Unis État Floride. Plusieurs joueurs qui étaient présents pendant incident témoignaient pour expliquer qui genre événement s'il a t'est passé. Fusillade ça t'a qu'à relancer débat qu'a fait dans pays États-Unis sous question armes à feu. Cité Soleil, Pétionville, Marchand-des-Salines, Aquin, Gros-Mone, c'est quatre communes qui recevoient camions compressifs. Président Jovenel Moïse distribué yon lot matériel lundi 27 août là dans Palais National. Il y a plus passé 780 millions de gouttes qui déjà dépensés pour subvention livre l'école.